Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir le son numéro 0 qui concernera l'introduction. Nous allons donc voir l'HTML5, hein, comme promis, puisqu'on avait fait un module ensemble sur l'HTML4 et maintenant, ce sera un module sur l'HTML5. Pour ceux qui ont suivi le cours sur l'HTML4, nous avons vu quelques balises afin d'expliquer de manière rudimentaire. Donc, il n'y avait pas d'utilisation de CSS, rappelez-vous, hein, j'avais fait quelques pages web, une structure simple HTML4 afin de vous expliquer le comportement de certaines balises. Par contre, les prochaines vidéos qui vont suivre seront complètes. Chaque balise sera étudiée en détail. Nous verrons ensemble comment créer un site web complet en HTML5 et en CSS3. Donc vous pouvez le voir sur la gauche, vous avez donc une structure HTML5. Vous pouvez voir déjà le doctype, hein. Vous voyez, il est très simpliste, un doctype HTML, voilà, c'est tout ce qu'il y a à mettre. Et automatiquement, le site validator comprendra que c'est bien du HTML5. Ensuite, vous voyez différentes balises comme HTML, la balise HTML où il y a l'attribut langue.fr et d'autres balises qu'on verra ensemble, métacaractère, UTF-8, le fameux lien pour accéder à du CSS et ainsi de suite, mais vous inquiétez pas, tout ça on verra en détail. Donc ma prochaine leçon, en fin de compte, elle portera sur le doctype, tout simplement, vous expliquer un peu plus en profondeur, comme je disais, qu'est-ce que c'est, à quoi il est utilisé, pourquoi on utilise un doctype, et ma référence, vous allez voir de suite un livre apparaître, c'est donc ma Bible, en fin de compte, c'est la Bible sur HTML5. Je puiserai très souvent les informations au niveau de ce livre, bien évidemment aussi avec ce que j'ai pu apprendre et aussi sur Internet, mais il n'empêche qu'il faut toujours avoir une référence pour travailler sur un langage. Voilà, donc je voulais vous mettre ce petit clin d'œil afin que vous compreniez avec quoi je travaille. Ensuite, si on regarde les navigateurs. Ici, avant de parler des navigateurs, on a un site intéressant qui s'appelle Canon News. Alors vous verrez, de temps en temps on l'utilisera, ça permettra de voir un petit peu une balise, si elle est compatible avec différents navigateurs. Donc on aura un navigateur, vous savez, on a différents navigateurs, on a un navigateur Internet Explorer, Edge, qui est maintenant sur Windows 10, Firefox, Chrome, Safari, Opera, et ainsi de suite. Il y en a d'autres, mais bon, ceux que je vous ai cités, c'est les plus communs. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, si je tape, par exemple, là j'ai tapé audio, mais si je tape maintenant vidéo, celui-ci va me dire automatiquement s'il est compatible ou pas. C'est assez intéressant. Donc on va marquer, mettons, Canvas. Vous voyez, à chaque fois, ça se réactualise au niveau des couleurs. Voilà, donc ça, vous inquiétez pas, on verra ça au fur et à mesure. Ensuite, si on parle un peu des éditeurs. Alors, dans l'HTML4, dans le cours sur l'HTML4, j'ai parlé de différents éditeurs. Vous avez Sublime Text. Donc à chaque fois, voilà, je vous mets le lien pour que vous puissiez voir et le récupérer. Vous avez Notepad++, ben là c'est plus pour ceux qui vont utiliser Windows. Alors petite information, dans mon cas, moi je travaille sur Macintosh, hein. Donc je suis sur El Capitan, donc mes cours seront toujours sur Mac. Bon, il n'empêche que l'HTML5 ou CSS3, seul l'IDE pourrait différencier par rapport à ce qu'on va faire d'utilisation. Mais quoi qu'il en soit, c'est un langage de programmation qui est compatible sur Mac, Windows ou Linux, bien évidemment. Ensuite, on a Atom. Alors la dernière fois, dans l'HTML4, j'ai fait une petite erreur. Je disais qu'il était compatible que pour Mac, mais absolument pas. Il s'avère que quand vous allez sur ce site internet, celui-ci récupère vos informations, ce qu'on appelle un cookies, et il va vous dire, bon bah là, toi t'es sur Mac, je te conseille de programmer, enfin de télécharger, pardon, pour Mac. Mais Atom marche aussi sur Windows, voilà. C'est la petite correction. Ensuite, je vous ai glissé un petit lien Wikipédia, là aussi. Pour vous expliquer, en fin de compte, l'origine du HTML, sachant que j'avais déjà fait un cours sur HTML4, mais pour ceux qui sont curieux, vous pouvez voir un peu l'évolution du HTML, donc du début jusqu'à maintenant, HTML5. Et pour finir, je vous ai aussi glissé ce petit lien qu'on utilisera de temps en temps, qui s'appelle le Validator, qui va permettre de voir justement si votre site internet est compatible par rapport à toutes les balises que vous aurez insérées ou les options que vous aurez mises dans vos balises. Voilà, bon bah écoutez, cette leçon est terminée. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine vidéo sera donc l'explication du doctype, afin qu'on le regarde celle-ci en profondeur. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Bye bye.